Mamoudou Bassoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gilet jaune dans le Loiret, et vous avez aussi une autre étiquette, j'allais dire. Vous êtes sportif de haut niveau. Médaille d'or au championnat d'Europe de taekwondo il y a quelques jours en Espagne. Alors vous n'avez pas hésité à arborer ce gilet jaune, à porter ce gilet jaune sur le podium. J'espère qu'on va avoir l'image dans un instant, parce que là vous l'avez sur le plateau. Mais au moment d'aller chercher votre médaille d'or, vous vous êtes dit, tiens, il faut aussi que je mette ce gilet. La décision s'est prise en amont. Donc en partant de chez moi, j'avais pris mon gilet jaune, ouais, et le drapeau français. Ouais. Et j'avais une ambition de ramener la médaille d'or et de porter mon gilet jaune. Bonjour, je m'appelle Mamoudou Bassoum, j'ai 35 ans, je suis marié, père de 4 enfants, je suis ingénieur consultant. Donc aujourd'hui, vous me voyez avec mon gilet jaune, donc je suis engagé dans les gilets jaunes depuis le 17 novembre. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes en meeting à Marseille. On est sur la liste de Yann Brossard. Pourquoi je suis sur cette liste? Parce que c'est une liste qui ressemble à la France, une liste citoyenne. On a tous les corps de métier, on a des ingénieurs, on a des médecins, on a des chômeurs, on a des handicapés, on a des travailleurs, des caissières, on a tout. C'est ça la France. Chers camarades, la bataille vient de commencer, on va y aller à fond, on va y aller à fond, mais quand je dis à fond, on commence la compétition. Moi j'ai commencé ma compétition, donc je vous transmets des ondes positives et tout est possible. Maintenant il faut qu'on y aille à fond, porte à porte, bouche à oreille, SMS, on commence la campagne, on occupe le terrain et on occupe les médias de manière positive. Moi, je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi et ensemble, on va faire une belle campagne et on aura un excellent résultat. Et les camarades, on est ensemble, on lâche rien et n'oubliez pas l'humain d'abord.